vive la bagarre, à main nue, tout nu. Bonsoir, bonne nuit, bienvenue dans cette vidéo. Masto qui est derrière la caméra qui m'a chauffé pour faire un entraînement de jiu-jitsu brésilien. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un sport en gros de soumission clairement. C'est un des sports qui a inspiré d'ailleurs le MMA, pour les prises au sol, tout ça. J'en ai jamais fait clairement. D'ailleurs, il y a un équipement en particulier. Ouais. Ah là, du coup, c'est sans kimono, donc du coup, non. Petite séance d'essai. Vas-y, en dessous. Avant de commencer, laissez-moi vous présenter ce sport, le JJB, autrement dit, le jiu-jitsu brésilien. C'est un sport dérivé du jiu-jitsu et du judo importé du Japon vers le Brésil. C'est un art martial qui se pratique quasiment que au sol. Pour gagner, en gros, faut soumettre son adversaire soit par des clés articulaires, soit par des pressions musculaires, ou soit par des étranglements. Comme je disais, les combattants de MMA pratiquent cette discipline puisque le JJB fait partie des trois disciplines au cœur du MMA. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être entraîné par un quintuple champion du monde de jiu-jitsu brésilien, Eric Vanderlei. Bon, j'avoue que je le connaissais pas, mais ça se voit que le poteau a de la bouteille. Ouais, un peu de pression, ouais. Non, non. Bah écoute, je suis brésilien, je suis au Brésil, il y a moyen que je me fasse mêler. J'ai un peu chaud, mais bon, la pression n'est pas encore au max, là. Ils font des échauffements stylés, moi je fais des échauffements de handball. Pas évident de comprendre tout ce que disait le coach. Déjà que ce sport est nouveau pour moi, alors en plus comprendre les consignes en portugais, je vous laisse imaginer la galère. Mais ça va, parmi les combattants, certains parlaient 2-3 mots d'anglais. Et puis en les voyant faire, ça m'a quand même pas mal aidé. Et de toute façon, c'est en faisant que ça rentre, donc au fur et à mesure, je captais de plus en plus ce qu'on me demandait. Já vem laçando, ó. Já lacei a perna. Antes de passar, ó. Like the first thing you do, you put the arm. Isso. It doesn't matter for me. En gros, la première partie de la séance était des exercices, et une fois qu'on a fini tout ça, on est parti sur des assauts en 1 contre 1. Ça va? Super.
Petite réaction à chaud là. Avant le dernier. Je peux pas mytho, il y a des images. Ça va. Ah, en vrai, c'est super intense. Moi, je kiffe de ouf. Mais c'est très très intense. Des fois, on continue. Mais je me fais mêler en vrai. Mon pote Thomas qui m'a amené découvrir le JJB, ça fait déjà quelques fois qu'il vient s'entraîner ici. Et c'est cool parce qu'il a pu me montrer quelques gestes et techniques de base pour les gens qui partent de zéro comme moi. Et je pensais vraiment que ça serait un peu plus instinctif, mais pour le coup, ça ne l'est pas du tout. Et comme avec Thomas, on peut jamais s'arrêter. Il est prometteur, très prometteur, une force de la nature, une force dans les bras incroyable, très athlétique. En vrai, pour une première séance, il n'avait aucune notion de tout ça. Franchement, il s'est très bien débrouillé dans les takedowns, que dans les soumissions, etc. Mais il y a des personnes qui, quand elles commencent, elles n'arrivent pas trop à capter les mouvements, etc. Chose que Greg ne rencontre pas, quoi. Vraiment, le fait que j'ai jamais fait du jiu-jitsu, pardon. Je ne connais pas les mouvements, les techniques. Du coup, c'était vraiment du feeling et de la débrouille. Et du coup, c'est l'agilité qui m'a aidé. Mais sinon, en soi, genre, même si j'arrivais à bloquer un mec, bon, ce qui n'est pas arrivé très souvent, mais genre, je pouvais pas soumettre, tu vois. J'avais pas le. Non, en tout cas, en vrai, c'est vraiment stylé. Genre, j'ai kiffé les sensations. C'est intense. Ouais. C'est comme du fractionnaire, en fait. Tu vois. Voilà, c'était très très long. Je le recommande à ceux qui veulent essayer. C'est vraiment très bien. Et les Brésiliens sont plutôt chauds. Zévin aí, valeu. Les gars, vous avez suivi cette séance de jiu-jitsu. Désolé si je trempe, je suis encore un peu congestionné, comme on dit. Aujourd'hui, derrière la caméra, il y avait un grand homme. Ouais, c'était un plaisir. Qui m'a rendu service. Merci à filmer, mon gars. Merci. C'est vraiment très bien débrouillé pour une première séance. En vrai, j'ai rien compris à ce qui s'est passé. Mais moi, je trouve que c'est bien défendu, tu vois. Même si j'ai un point de vue, on va dire, de débutant. Ouais, bah normal. Hein. Mais en tout cas, c'était cool et c'était un plaisir de filmer pour ta première séance de JJB, frérot. En tout cas, j'ai adoré, c'était vraiment trop bien. Et là, je commence déjà à sentir les petites douleurs de cheville, de nuque, de poignet et tout, parce que ça m'a bien fait des prises de soumission, genre.